unsullied. It's filled with brutes who control this city through violence and intimidation. I want to get rid of them, Batman, to improve Gotham's intellectual and moral standing. But I'm not a thug like you. My approach is a bit more refined. There's 8 assassins in town tonight. They're all competing for a huge bounty, which Black Mask has offered for the head of the Bat. Grab the hostages! You seeing this? What the hell is it? Tonight, we're making some changes. Some big changes. I am the reason the criminals breathe easier when the sun rises. Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode de Batman Arkham Origins. Ça faisait un bon bout de temps que je n'avais plus joué, en effet, oui, et ça m'avait manqué même. Alors, je vois ici qu'on a un petit truc en rapport avec la griffe télécommandée, donc on aura forcément un trophée dans le coin. Et oui, on a un trophée, comme par hasard. On va se chercher tout de suite, en ce début de let's play. Merci, enfin ce début de vidéo, vous m'avez compris. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons vaincu Copperhead. Et on doit sortir de la Syrie pour acquérir le signal de l'électrocuteur, de l'électrocutionneur, je ne sais pas comment vous l'appelez. Ah, une grille ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je parie que ce soit un trophée, ou des données, je ne sais pas. Ah bah oui, des données. Hop là, merci. Allez, on sort, parce qu'aujourd'hui... Je sais pas où est-ce qu'on va arriver dans ce niveau. Je sais pas où est-ce qu'on va, mais je sais. Tout ce que je sais, c'est que. Oula. D'accord. Attends. Attends, il y a un troupeau là. Il y a un troupeau. Allez hop. Et à la tour. Toi, reste par terre. Boum. Allez, boum, dans le ventre. Hein? D'accord. Il est con ce mec. Genre je bute ses potes. Je vais détruire cette boîte avant d'y aller. Ça? Ah ok. Genre le mec, je bute ses potes juste en face de lui, il n'a rien à branler. C'est marrant ça. Je dois détruire cette boîte, Alfred. Monsieur? Je vous envoie un échantillon chimique. Je veux que vous analysiez la ville. Cherchez les concentrations élevées de ce composé. Trouvez sa source et je stopperai tout. Certainement. Je vous préviens dès que j'ai une piste. Détruire les 6 planques de drogue de Black Mask. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, encore une mission secondaire? Oh, ça, vous savez quoi, je le ferai soit en off. Ouais, ce serait mieux en off. Déjà, on va voir, j'ai vu que j'ai une amélioration. Alors, au niveau prédateur, qu'est-ce qu'on a? Attends, c'est quoi ça? Ouais. Attaque planée, non. Ça, c'est quoi? Détonateur de mines. C'est quoi ça? Ah, on peut faire péter les mines! Oh, nickel. Ah, mais merci, le jeu, t'es gentil. Au moins, il me l'offre tout de suite comme ça, c'est déjà bien. Parce que je me rappelle, dans Arkham City, j'ai dû faire une mission secondaire pour débloquer ce truc-là, quoi. Bon, c'est pas une mission secondaire hyper compliquée, tu vas juste chercher ça à un flic et c'est tout, quoi. Aucune donnée disponible. D'accord. Je n'ai pas repéré le signal de l'électrocuteur. Je dois prendre de l'altitude. Le pilier central du Pioneer Bridge devrait suffire. Ok. Bon, on va y aller de ce pas.
On va plus se concentrer ici sur la mission principale. Parce que j'ai envie de vous dire quelque chose en fait. Pour le prochain épisode, donc l'épisode 8, on va essayer de se concentrer sur des missions secondaires. Désolé de vous déranger, monsieur, mais on signale des troubles dans les environs. Je vous mets les coordonnées sur la carte pour que vous puissiez mener l'enquête. Merci, Alfred. On va beaucoup se concentrer sur les missions secondaires dans l'épisode, dans le prochain épisode, donc vers Arkham Origins. Parce que, comme vous pouvez le voir, sur la map, on a encore beaucoup de choses à faire. On a le pingouin à faire avec ses caisses, on a Black Mask, le trophée d'Enigma, ça je le prends en note, et dans le dernier épisode du let's play du jeu, enfin du scénario principal, j'essaierai de vous montrer la capture de l'homme mystère. Ok, c'est bon. Voilà, je n'ai plus qu'à suivre le signal pour le trouver. D'accord. On va aller choper l'électrocuteur et j'espère qu'on aura un bon combat avec lui parce que je ne sais pas si on le retrouve, si on l'affronte encore une fois. On dirait que le signal provient d'un endroit dans le Diamond District. Ok, dans le Diamond District. Je suppose que c'est à gauche. On va le savoir. Hein. La 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 la. Oula oula. Ok, par là. Ou on dirait que c'est par là. Oh, j'ai pas le temps, vos appels alerte là, je sais pas quoi là. Moi j'ai un assassin à retrouver. Attends, je fais gaffe parce que j'ai vraiment peur qu'on retrouve des mecs armés dans le coin. Je me rappelle, il y a une tour ici où c'est compliqué. À la base, c'est compliqué. Le signal. On dirait que l'électrocuteur est à l'intérieur de l'hôtel royal de Gotham. D'accord. À l'hôtel royal. C'est ça l'hôtel royal? Oh bah mon dieu, c'est magnifique! Le Joker a réservé le royal. Mais pourquoi le SWAT assure la sécurité? Je vais devoir découvrir ce qui se passe ici. Ah ouais, il y a les flics et tout, merde. J'avais zappé ça. Donc, je me rappelle, on peut rentrer par là. Bonjour! Oh merde, il y a un gars au bouclier. Bon, pas l'utiliser, mais c'est pas grave. Non. Voilà, toi, hop. Toi, tu vas finir sur la paille. Hop. On va prendre ça. Attends. Tiens, connard. Attends, je regarde. Il n'y a pas de trophée dans le coin? Non, il n'y a pas de trophée. Mais par contre, j'ai vu, il y a blindés d'hommes armés devant. La police, on dirait qu'elle veut vraiment pas lâcher l'affaire. Mais là, je peux me demander si le coup des flics corrompus. Et pourquoi les flics corrompus s'emmerderaient-ils avec des criminels? Juste pour pas qu'ils perdent leur le visage sur l'autorité? Je sais pas. Enfin bref. Ah, c'est parti. Et là, préparez-vous à avoir... c'est un de mes niveaux que j'aime le plus dans ce jeu. Hein. Toute la face dans l'hôtel, c'est ma partie préférée du jeu. Là, vous pouvez me dire ce que... Ah, attends, par contre, toi, est-ce que je peux t'avoir? Non, je peux pas t'avoir. Attends, est-ce que je peux te faire ça? Est-ce que je peux te scanner? Oh, que va te faire foutre. Donc, toute la scène qu'on va avoir ici, c'est juste immense. Maître Bruce, le Joker a-t-il réservé une salle au Royal de Gotham? Il s'y trouve, et le SWAT fait son sale boulot. Il garde Gordon et les médias à distance de tout ce qui pourrait se produire. Brandon ne se rend pas compte que ce n'est pas avec Black Mask qu'il travaille. Il aura la surprise quand je livrerai le Joker. Pour ouvrir ça. Parce que je suis sûr qu'il y a un trophée de l'autre côté. Hop, on monte. Ah, il y a un bazar à pirater. Aussi, tant qu'on est dans les zones, aussi avec le maximum de gadgets que je possède et tout, je vais essayer de débloquer quelques ennemis, enfin quelques trophées et tout ça par-ci par-là. Voilà, merci. Happy New Year's, everybody! Oui, bonne année! Y'a quoi? Oula! Aïe! Nouveau patron transforme tout l'hôtel en pièce. J'espère qu'il nous laissera pas dedans quand il décidera de s'éteindre. Non, je crois qu'il s'est un peu énervé.
Faire en sorte à ce qu'il ne me voit pas, c'est FDP. Double élimination, s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce qui se passe, c'est que je suis là. Hein? J'ai rêvé où il y a un ninja. Ouais, il y a un ninja. Donc, on va faire ça de manière fracassante, comme ça. Allez hop, toi. Non, pas d'armes. Toi, finis à terre. Merde. Touche pas au flingue, toi. Non, pas ninja. C'est pas lui que je visais. Ah, putain, enfoiré. Oh, putain, ça m'énerve quand il jette comme ça. Au final, on me prend le coup alors que j'étais... sur l'ennemi, j'étais à 90... j'avais 90% de cap pour pas me faire toucher, quoi. Non. Ça dégage. Merci. Quoi? Oh non, lui, il avait un flingue. Par terre. Non. Boum. Je crois que j'ai entendu son visage se frotter contre le sol, et ça, c'est dégueulasse. Et ça fait mal. C'est dégueulasse. Je me rappelle quand j'avais fait une chute de vélo quand j'avais 15-16 ans. Mon Dieu, j'étais plâtré et pendant quelques mois, j'ai dû faire mes examens avec. C'était horrible. C'était horrible. Vous n'avez pas idée à quel point. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ok, un point d'ancrage. Hop. Tout ça pour... ok, une commande qui va me servir à quoi? Ouvrir la porte. D'accord. Hop, on tombe. La 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 la. Oui, je chante en état. Tiens, 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 regardez ce qu'on a là. L'ambulance du Joker. Elle doit être dans le bâtiment. C'est ce que je me suis dit aussi. En plus, je m'en rappelle, toute la séquence qu'on va avoir dans l'hôtel, c'est super bon. Et je comprends pas pourquoi les gens chient sur Arkham Origins alors qu'il est super top comme jeu. Monsieur, savez-vous à quel endroit le Joker se trouve dans l'hôtel? Encore, pourquoi? Eh bien, il semble qu'il y ait une salle de sécurité dans l'accueil de l'hôtel. Utilisez les caméras pour le trouver. Ok, je vais essayer. Ok, obtenir l'accès à la salle de sécurité. Oh, je te tiens. Waouh. Il y a assez d'explosifs pour détruire tout le bâtiment. Je me demande quelles autres surprises m'attendent. Je me demande aussi. D'ailleurs, il y a un truc que je comprends vraiment pas, c'est pourquoi vous vous dites que quoi Arkham Origins, est mauvais. Moi, je trouve que dans Arkham Origins, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont intéressantes. Et non, les gens disent que quoi, c'est de la merde et que ça vaut pas au même niveau que les trois jeux de Rocksteady. Mais ça, franchement... De toute façon, faut pas écouter ce genre de conneries, parce que ce genre de conneries ainsi... C'est des gens qui disent de la merde, et ça m'emmerde. Dès qu'un des assassins aura tué Batman, le patron tuera le mec et gardera tout le fric sur son compte. Mais non, si jamais il fait un truc pareil, personne lui ferait plus confiance. Il aurait sa réputation auprès des syndicats de la ville. Hé mec, regarde un peu ce qu'il nous a fait faire ce soir. Tu crois qu'il a peur de perdre sa réputation? Non, t'as pas peur. Attends, lui, il va aller où? Il va par là. Il va le choper. Comme ça. Bambou. Bambou. Ouais, les pandas mangent du bambou. Le mec a rien compris. Alors... attends, faut que je regarde la... comment les mecs font. Bon, déjà, le brouilleur, là, il m'emmerde déjà. Ça l'a pas pris. Ok. Voilà, là il l'a pris. Attends, j'ai vu quelque chose de bizarre. Ah, d'accord.
En fait, ils ont déjà les lunettes thermiques, en fait. En fait, j'explique ce que c'est. En fait, c'est des lunettes qui leur permettent de scanner les gargouilles. Du coup, ils peuvent détecter la chaleur des gargouilles, en fait. S'ils découvrent que je suis sur une gargouille, ils vont me... Il y en a un qui va... Celui qui porte les lunettes, il va me poucave. Attends, je réfléchis comment je vais faire. En fait, j'ai envie de niquer le mec sur le pont, là, qui est avec ses lunettes. Juste que j'ai peur qu'il se retourne au moment où je m'y attends pas et qu'il va flinguer son pote. Bon, allez, on va tenter. Putain! C'est lui! Il est là! Fils de pute, va! Putain. Je pense... Déjà, comment tu veux qu'on n'arrive pas à déterminer où est-ce qu'il va, là? Ah, bah joué, ces connards, ils ont remis le brouilleur en marche. Attends. Merci, le jeu, t'es gentil. Boum. Voilà, merci. Ah, et pour le coup? Il est con. Putain, mais le bâtard, vous avez... Putain, mais ça, j'en reviens pas, quoi. Je vais par là. Oh, putain. Je vois, ils ont tous les deux des lunettes thermiques. Putain, j'ai plus. C'est quoi d'être par ici? Il faut se dépêcher. Non, mais putain. Non, mais... Tu es vraiment pas en forme aujourd'hui. Je suis vraiment pas en forme aujourd'hui. Oh mon dieu, quoi. Bon, vous savez quoi, j'en ai marre. Hop. Attends, vous voulez qu'on coupe une corde? Vous inquiétez pas, je vais vous couper une corde. Allez hop. Là, plein de petits cons là. Vous voulez m'énerver, voilà le résultat. Voilà ce qui se passe. Allez hop, dernier. Voilà. Je m'évanouis, merde. Ça y est, ils ont peur. Ils ont peur. Vu que j'ai plus de balles ou quoi, j'ai plus de balles finies. On va tenter quelque chose. Hop, on va faire ça. On va voir qu'est-ce que ça va faire. Voilà. Mon dieu. Je dois entrer dans la salle de sécurité. Ouais, je sais, Batou. Putain. Il était où ce petit con là? Putain, j'avais envie de le retaper là, ce bâtard quoi. Putain, j'ai voulu faire un truc impec et le mec non, il se retourne et d'où il m'a vu en fait. Ah, mais bon, c'est pas trop grave. L'important c'est que je m'en suis sorti, c'est le principal. Espion. Ouais. Agent 007 au rapport. Puis-je inspecter la salle de sécurité s'il vous plaît? Allez hop, où te caches-tu, le clown? Amis, assassins, soyez les bienvenus à notre petite réunion trimestrielle. Comme vous le voyez ici, les meurtres de Batman sont bien en deçà des prévisions initiales. Il va vraiment falloir qu'on trouve un moyen d'y remédier. Et quand je dis « on », je veux dire « vous ». Compris, monsieur... Cutter? Mais... t'es qui, au juste? Je suis le type qui a le fric et le flingue. Alors, quand je t'embauche pour descendre Batman,
Tu fermes ta grande gueule et tu vas buter Batman! Est-ce que tu as une autre question à me poser? C'est ce que je pensais. On peut dire qu'il a été au courant. Ce gâteau est délicieux. Quelqu'un veut goûter? Parfait, la réunion est terminée. Déguerpissez et tuez Batman. Bouge-toi de là, mon grand. Non, il va venir te chercher. Et quand il sera là, moi je vais le massacrer. Alors toi, t'attends. Ah, ça devrait être intéressant. Oui. Cet ascenseur devrait me permettre d'atteindre le plafond pour sortir. Peut-être que les gants de l'électrocuteur pourraient servir à alimenter cette plateforme. Oh, j'avais zappé ça. On allait avoir des gants électriques. Bon bah, vu que l'électrocuteur est mort, on pourra dire que là, il a été au courant. Lol. Ouais, je sais, l'humour du Joker m'emporte. Je sais, mais que voulez-vous, j'aime le Joker. Par contre, j'aurais un truc à dire concernant ce qu'on vient de voir dans cette cinématique. Je sais pas, là, comme vous pouvez le voir dans la cinématique, mais ce que le Joker vient de faire, c'est impressionnant, quoi. Et moi, j'aime bien ce genre de retournement de situation, genre, on vient de voir l'électrocuteur qui s'est fait tuer par le Joker, alors que c'était un des mercenaires qui était engagé par Black Mask. Et ça, franchement, je trouvais ça intéressant qu'il y ait un retournement de situation. En plus, la mise en scène, bien évidemment, du Joker là-dedans, je la trouve, mais juste impeccable, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Le Joker, pour moi, il est respecté à 100% là-dedans. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous allez me dire, ouais, mais dans Arkham Asylum, Arkham City et tout ça ou quoi que ce soit. Certes, je suis d'accord. Sauf que là, on n'est pas dans ces deux jeux-là. On est dans Origins. Et pour moi, mon avis, c'est que dans Origins, le Joker, il est parfait. Il est parfait. C'est cette version-là du Joker que je veux voir. Et bien évidemment, il y a une connexion, je dirais, avec le Joker d'Heath Ledger dans The Dark Knight, hein, puisque c'est le même doubleur qui fait la VF du Joker d'Arkham Origins. Vous avez trouvé le Joker, monsieur? Oui, il se trouve dans la suite. Je vois que vous avez suivi mon conseil, une fois encore. Pas encore. Il sera difficile de l'atteindre. Les ascenseurs sont en panne et les hommes du Joker sont partout. Je suis sûr que vous trouverez un moyen de monter. Et du coup, Comment dire, le Joker là-dedans pour moi est respecté et c'est la vision du Joker que moi je veux voir. C'est pas compliqué, je trouve, de nous mettre à créer un Joker comme ça, mode chaotique et psychopathe. Pourquoi tout le temps prendre la version clown? Ok, c'est marrant. Ah merde. Ok, c'est marrant. Mais au bout d'un moment, faut peut-être renouveler un peu le concept du personnage, quoi. Et si on discute ? Bam, dans les couilles. Là, regardez. Batman a fait venir ici. Tu sais que tu es un peu en retard pour le dîner. Heureusement, ton cher ami Bane a formellement refusé de commencer à manger sans toi. Apparemment, il préfère déguster ses plats froids. Oui, rien que ça, franchement, je trouve que là, ça fait très Joker, franchement. Et pourtant, je le dis et je le pense, que c'est pas compliqué de faire un Joker assez iconique, putain. Ah. Genre, par exemple,
les versions du Joker qu'on a eues, Jack Nicholson, Heath Ledger et Joaquin Phoenix. C'est des versions différentes, mais pour moi, c'est des versions que je trouve assez bien respectées. Le problème, c'est que j'aimerais bien qu'au quoi il rechange un peu la version Joker, qu'il refont passer en mode psychopathe, tueur en série, des trucs ainsi. Par exemple, quand j'avais fait ma bouquinerie geek sur le comics Joker de Liber Mezzo, j'avais dit qu'au quoi c'était cette version du Joker que je trouve la plus correcte, en fait. Parce que je sais qu'il y en a certains qui vont pas être d'accord avec moi, mais bon, moi, je donne que mon humble avis, on est sur ma chaîne après tout. Ok, on a évité la mort. Donc, et de toute façon, j'annonce même, et je le dis honnêtement, que le Joker, on doit montrer que quoi, c'est plus qu'un humain en fait. C'est le mal incarné, c'est le fils du diable. Et d'ailleurs, je vais en parler, hein. De toute façon, j'ai prévu une vidéo où je vais vous montrer, où je vais vous expliquer les conseils pour faire un bon Joker, que ce soit sur n'importe quel support. Que ce soit en film, en comics, en série, en dessin, animé ou quelque chose comme ça. Oula, il est sorti tout seul lui. Non. Non, j'ai appuyé. Et voilà, tout par terre. Monsieur. Vous allez bien? Pitié! Ouh, la tête! Me faites pas de mal! Tout va bien, je vais vous aider. D'accord, pitié! Ils retiennent mes amis! Ils les séquestrent dans le bar panoramique! Où ils se trouvent? Le bar suspendu, entre les tours! Donc, comme je disais, je prépare une vidéo où je suis en train d'écrire actuellement, où je vous expliquerai comment faire un bon Joker dans tout type de support, dans le comics et tout ça. Parce que, excusez-moi, mais la vidéo où j'avais parlé du Joker de la série Batwoman, je suis désolé, mais ils n'ont pas été cherchés bien loin. Hein. Après, il y en a certains qui vont me dire « Oh, t'es marrant, Jérémia, toi qui sais, mais tu sais comment on fait et tout ça, mais tu te crois vraiment supérieur à tout, tu crois que tu connais tout ou quoi que ce soit. » Moi, je connais tout, en fait. Je connais Batman depuis mes 7 ans, donc ça fait 13 ans que je connais Batman, et je connais aussi très bien le Joker. Je sais exactement comment il doit être. J'ai quasi presque tous les comics concernant le Joker. Killing Joke m'a aussi appris quand même des choses. Et donc voilà. Donc vous inquiétez pas. Donc je le dirai dans la vidéo où je vais me consacrer aux conseils pour faire un bon Joker au cinéma, dans les comics, en série, en dessin animé, en tout ce que vous voulez. Voilà. L'annonce a été faite. Enfin, je sais que j'ai fait beaucoup d'annonces ou quoi que ce soit, mais bon, c'est juste que actuellement, comme j'ai pas beaucoup de temps pour faire mes vidéos, je me consacre beaucoup à ma vie. C'est pas facile, mais bon, de temps en temps, j'essaie de trouver du temps. Je suis toujours largement en tête en ce qui concerne le nombre d'employés tués. Je sais que toutes ces petites merveilles sont tentantes, mais ne t'avise pas de prendre un cadeau. C'est pas pour toi! Ne pleure pas, je suis généreux. J'ai un cadeau spécial, rien que pour toi, là-haut. Et tu verras, il est entouré de plus de 200 kilos de gros muscles. Est-ce qu'il il est en train de nous parler de Bane, notre ami mexicain qui est né dans la prison de Peña Duro, qui est au Mexique, au Nouveau-Mexique? Je sais pas, honnêtement. Aussi, il faut vraiment aussi que j'arrive à trouver le comics Nightfall, en fait. Enfin, les comics Nightfall. Parce que je les trouve pas et je suis curieux de les lire parce qu'en fait ça parle de première rencontre entre Batman et Bane et Batman qui perd quoi. Oh merde! Salut! Oh, oh Batman, vite! J'en connais un qui va être flingué! Ok, je me grouille. Oh! On dirait que c'est toi qui va être flingué! C'est vraiment pas de veine! Attends, ça c'est vraiment pas de veine? Quel dommage! Enfin, pourquoi? Allez, rappelez-vous! À toi! Merde. Attends, le ninja, hop! J'ai appuyé, putain, fils de pute, gros! Mais pas lui! Oh, la caméra m'emmerde pas! Hop.
bois, tu vas finir par terre. Non. Bois, je te passe aussi à terre. Et... coup de pied en pleine face. Où est-ce que Dionys a été chercher ces gars? C'est vrai, ce sont des grandes gueules, mais une fois sur une chaise électrique, ils se mettent à pleurer comme des fillettes. Crois-moi, j'ai fait des recherches. Ah, ah mais je te crois, hein, Joker, je te crois. Hein. Ok. Oh là 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 là. Je dois grimper au sommet de cette colonne de ventilation. Ah, c'est ce que j'ai fait, Batou. Black Mask n'a pas répondu. Négatif, pas de nouvelles de lui depuis son entrée en action. Cet enfoiré d'Ionis pense pouvoir nous ignorer. Et pour Gordon. On l'a envoyé sur une fraction en voie d'action abandonnée. Mais il paraît que l'activé, il va m'en parler. Bordel, je suis prêt. Ouais. Alors ça, je ne peux pas vu que je n'ai pas encore le truc givrant. Je sais plus si c'est une grenade givrante comme on a eu dans Arkham City, je me rappelle plus. Donc ouais, c'est vrai que je vais encore chercher les comics Nightfall parce que bah, c'est un comics qui m'a toujours plu. Enfin, plu, parce que je l'ai jamais lu, mais c'est toujours un comics que j'avais trouvé fascinant. Et que j'avais toujours voulu lire en fait. Voir Batman qui perd lors de son premier combat contre Bane. Pourquoi tu descendrais pas ici pour... Ouais, pourquoi tu descendrais pas, toi, connard? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais savoir passer, là. Ah ouais. Oh bah, Mazel Tov. Ah ouais, Mazel Tov. Par contre, comment je repars? D'accord. Ça mérite d'être clair, après tout. Ça mérite d'être clair. Allez, hop, on continue. Je ne sais pas en quel étage. La buanderie, en tout cas, elle est magnifique. Hein. Je pense que c'est la buanderie la plus propre que j'ai vue de toute ma vie. Hein. Alors, niveau supérieur. On va changer. On va aller dans les combats. Qu'est-ce qu'on va prendre? Combo spécial double, ouais. Augmente l'efficacité des coups. Ouais, ça peut le faire, ça. Allez, ça peut le faire, allez. Parce que certes, les gants électriques, c'est pas un truc que j'aime bien. Mais en combat, elles sont efficaces. Oh, putain, mais je regarde la ville, là, on est haut. Putain, on est hyper haut, quoi. Oh, c'est pas croyable. C'est vraiment pas croyable, quoi. C'est incroyable. Ils se sont vraiment surpassés dans cette suite de luxe. La salle de bain a trois savons différents. Franchement, qui a le temps de se laver autant? Moi, il me suffit de sauter dans un bain d'acide et le tour est joué. Voilà la référence à Killing Joke. C'était marrant. Oh, par contre, toi, ils t'ont pas fait plaisir. Hein. Attends, quoi? Joker Slice Ride. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... C'est quoi ce cirque? Oh, wow. Tu aimes bien ce que j'ai fait de cet endroit? Ah oui. Je sais, un parc d'attractions. Oh, génial. Je suis un peu obsessionnel de temps en temps. Un parc d'attractions sérieux? Quand est-ce qu'on amène les clients de l'hôtel? Bientôt, j'espère. On a vraiment pas de chance. Non, vous avez vraiment pas de chance, les mecs. Faut le détruire. Y'a plus que le gros, allez. Et malgré qu'on voit pas avec la caméra, ça fait demander où j'ai trouvé tout ça. Eh bien, j'ai eu un bon prix auprès d'un parc d'attractions fermé juste au coin de la rue. J'aurais voulu que tu vois la tête de l'agent immobilier quand on a échangé une poignée de main pour conclure l'affaire. Ah, référence à Killing Joke, ça fait plaisir. Vous savez, dans le début du comics, quand le Joker achète un parc d'attractions abandonné, et que dès qu'il veut serrer la main au gars, ça c'est un conseil, une chose qu'il faut jamais faire avec le Joker, eh bien, il laisse le mec et sur,
sur le visage du gars, il a un... il y a la tête du Joker en fait, c'est-à-dire il y a la peau blanche, les yeux noirs et le sourire glaçant du Joker. Toc toc. J'espère que vous n'avez rien, les mecs. Ça, je ne peux pas y accéder. Ah, c'est juste pour un trophée, mais bon, je reviendrai plus tard, de toute façon, en off. Oula. Ah, bien tenté. Mais tu ne t'en sortiras pas. Tu vas devoir rester ici. D'accord, j'ai compris. J'espère que je fasse entrer les mines. Tu as tout un tas de petits cassettes amusants. Alors, je vais essayer de ne pas m'énerver. Yes, le premier coup. Que l'imagination allez, sois réglo. Ne me force pas à prendre ta jolie ceinture. Ouais, elle est bien ma ceinture. Et ça, j'aime bien ces petits défis comme ça dans le parc d'attractions du Joker. Je pense qu'elle pique un peu la vedette à l'homme mystère, je crois. Encore, pitié. Maintenant, préféré, le Joker a dit. Et le Joker j'ai compris. A dit, tu vas faire gueuler ce type jusqu'à ce que sa tête tombe. Si j'essaie de le faire sortir, il sera électrocuté. Je vais devoir suivre les règles. Quand tu étais gamin, tu as déjà essayé de rôder l'hymne national. J'ai jamais été doué pour ça. Mais ce gentleman prétend être bon. Histoire de vous amuser, voyez pas où ils sont sortis. Attendez. Pendant que je l'électrocute. J'écoute ce que le Joker dit, oh, en fait. Ça sent la cervelle de chauve-souris. Waouh, ça, c'est ce que je préfère entre tout. Ça me rappelle mon enfance. Le goût du pop-corn, les cliquetis des manèges, la puanteur des clodos morts qu'on retrouvait sous la promenade. Oh, c'était la belle Moi j'aime bien écouter ce que le Joker dit, parce que c'est vraiment drôle. Des fois c'est drôle et c'est effrayant. Il y a une chose que tu dois encore travailler, c'est ton sens de l'humour. Tu n'as pas souri une seule fois de la soirée, et tu connais le dicton, hein. Qui ne sourit jamais finit en macabre. J'ai vu le trophée. Dès au loin. Attends, comment on fait? D'accord. Bonjour! Bah, j'ai appuyé pour le coup de pied en plein nom, mais il a pas fait. Oh, il y a de nouveau un gros. Allez, on va se faire plaisir. Oui! Non! Oh! Oh, c'était pas loin! C'était pas loin de ma voix! Oh putain! Maman répétait que je ferais un bon coucher. Je suis même excellent! Allez, le gros! Allez, tiens! Non, je te garde pas pour la fin. Hop. Bon, j'avoue que le truc électrique sur les gros, c'est pratique. Tu devrais avoir atteint le trou, n'est-ce pas? Tu as volé mon attraction de Noël, et maintenant, tu n'es pas foutu de trouver la sortie! Le plus triste, c'est qu'il n'y en a pas. Eh oui! Quoi, t'es sticking, leur tour. Ça liquide un peu mes affaires. Et les clients, tu veux connaître l'horrible vérité? Je ne sais pas. J'ai déjà accompli bien plus de choses que toi. Ça fait combien de temps? 2 ans que tu te balades dans ta panoplie du petit héros parfait. Roman Sionis, mort. L'homme, waouh, il était pourri jusqu'à la poêle, je l'ai liquidé. Le directeur de Blackgate, je parie qu'il va devoir payer pour ce que je lui ai fait faire ce soir. Tu sais, c'est dingue tout ce qu'on peut faire quand on se fout du bien et du mal. Quand on fait tout pour se marrer. C'est un problème, Batman, et ça nuit à ton efficacité. Tu es bien trop sérieux. Bien trop sérieux, c'est ce qu'on a. Les amis n'arrêtaient pas de me dire. La fin de ma petite attraction. Malheureusement, tu es censé être mort maintenant.
quoi ça? Je dois aller tuer l'architecte. Vieille espèce de patron. Pitié, non. Fais pas la gueule. Lol. Oh, je me voyais en bas de l'écran. Ok, c'est bon, maintenant on peut sortir. On va continuer. On va speeder un petit peu quand même. T'as la musique du Joker là-dedans dans la fête foraine, j'adore. Hein. Tu pensais pouvoir nous échapper, hein? Oh, lui. Tiens. Qui êtes-vous? Je vais vous aider. Il y en a encore. Ils retiennent mes collègues. Ils les obligent à... Vous en faites pas. Je vais les aider avant que ça tourne mal. D'accord. Faites vite. Ah, j'allais dire, tu peux baisser tes bras. Hein. Je te menace pas avec une arme. Hein. Je suis pas un criminel, moi. Alors... Bon, Batman ne viendra pas. Est-ce qu'on peut tuer ces gars? Oui, tu as raison. Allons-y. Il dit qu'on peut les tuer. Les gars, regardez! Je suis à la télé. Allume-moi. Viens donc t'amuser. Il y a un gars avec un flingue. On va s'occuper de lui en premier. Bonjour! Il y a encore un gros. Plus d'armure. Voilà, attendez. Hop, toi le couteau, m'emmerde pas. Ah, attendez. Je vais m'arracher la tête. Allez hop, le gros, on s'en débarrasse. Boing. Et boum. Oh, il a volé. Les otages sont sauvés. Je dois filer jusqu'à la suite pour arrêter le Joker. Alors, mieux vaut se dépêcher alors. Merci. Qui que vous soyez. Y'a pas de quoi. Ah. Non, ça, merci. Attends, juste pour essayer. Non, c'est pas ce qu'il me semblait, on peut pas le péter avec la main. Où est-ce qu'on est? D'accord, on est plus très loin. On est plus très loin pour attraper le Joker. Oh, putain, on est haut. Ah ouais! On est hyper haut. Ho, ho, ho! Merry Christmas, ladies and gentlemen, boys and girls! Je sais pas qu'est-ce qui me prend. J'étais de mauvais poil au début et après, non, c'est reparti. J'ai jamais vu une chose pareille. Ah ouais, carrément. Ces bombes sont réglées pour exploser le 31 décembre. Je devrais pouvoir les désamorcer avec mon séquenceur cryptographique. Ah donc ça se passe le 24 décembre? Imagine le mot de passe est bonne année, choix année. LOL! Bonne année. Hein? Oh le bâtard! Attendre le premier de l'an, hein? Le feu d'artifice va commencer plus tôt alors, hein? Oh le bâtard! Wow! Dis-moi qu'on est à l'antenne. Ouais, toujours en direct. Ici Vicky Vale, en direct de l'hôtel royal de Gotham, où une énorme explosion vient juste d'avoir lieu. Il semblerait que Batman ait été soufflé par la déflagration. Il se trouve maintenant suspendu en dessous de notre hélicoptère. Oh, ils m'ont vu. Plusieurs hommes armés se sont rassemblés sur un balcon. Ils ont du flingue. Après des années d'apparitions non confirmées, sans images, nous avons vu Batman deux fois ce soir et avons pu le filmer. Serait-ce une nouvelle étape pour le mystérieux justicier? Va-t-il devenir une figure publique? Une chose est sûre.
ce que je l'ai vu faire ce soir. Il est certain que ce justicier va se faire attendre. Vous l'avez vu chez nous ce soir. Pourquoi ils ont pas laissé en mode caméra de la télé, c'est beaucoup plus beau, je trouve. Patience, mes hermanos. Descends, Batman. Les hommes du clown sont faibles. Ensemble. Après avoir tué Batman. Allez, mes frères. Batman est à nous. On va échouer. Qui c'est-il? Est-ce que c'est les hommes de Bane? Oula. Pourquoi Batman n'y a pas attaqué? J'ai appuyé sur la touche, il a pas attaqué. Ah, les ninjas. Oh non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh là là. Putain. Mais arrête un peu. J'ai appuyé sur la touche contre. Oh, enculé. Allez, toi l'armure. On dégage. Merci. Dégage, j'ai eu matos de ninja dans l'épisode précédent, alors m'emmerde les corps. Non, j'ai eu Nira. Oh, what? Comment il a volé le gars? Voilà, ça c'est fait. T'avais marqué quoi? Plus gros ils sont, plus... ils seront, essayer de résister, je les tuerai tous ici à Gotham, tomber les dents, je sais pas quoi, le jour de Noël, je les ferai voler en éclats ou un truc ainsi, je sais pas. Vous avez ça d'autre, un truc avec du avec le Joker que je n'ai pas lu ou quoi que ce soit. Pourtant j'ai pas de problème avec l'anglais hein, mais je dis pas le contraire. Et aussi vous avez remarqué que les statues qu'on voyait lors de la cinématique, il me faut penser à l'ergo dans la cour des hiboux. Je sais pas pour vous. Alors on a quoi ici? Oh. Oh. Et des morts partout. Monsieur, j'ai vu l'explosion du Royal de Gotham à la télé. Les clients de l'hôtel sont-ils en sécurité? Non, malheureusement. Monsieur, vous allez bien? Votre voix... Je vais bien, Alfred. J'ai déjà affronté des psychopathes, mais là... Monsieur, je vous suggère fortement d'appeler le capitaine Gordon. Il pourrait être un allié de premier ordre. Je n'ai pas besoin d'alliés. Au début, peut-être, Batou. Mais après, c'est plus le cas. Hein. Après, t'as beaucoup d'alliés qui vont te suivre. Hein. Je vois que les hommes du face Joker prédateur ont été éliminés ici. Bien joué, mais n'oubliez j'allais pas. Dire face prédateur, mais non, c'est prédateur. Batman, on doit rester vigilant. Ah, il nous échappera pas. Et c'est le seul chemin qui mène à la suite. Espérons que vous ayez raison. Le temps nous le dira. Batman. Je suis ravi que votre patron et moi soyons d'accord. Il aura Batman, et moi, j'ai le droit de discuter avec vous. C'est moi qui réussirai. Ma réputation est en jeu. Il y a des mini ici. Trois gardes là. Ah, j'en ai marre de tous ceux qui restent les bras croisés. Quand est-ce qu'on va tuer Batman? Je vais essayer de me la jouer discret, mais de temps en temps, il m'arrive ma de déconner un peu. De vous. On verra bien qui aura fait dans son froc dans quelques minutes. J'espère que Bane va nous laisser un morceau de clown. Un morceau de clown? J'aurais pas un peu, mon pote? Un morceau de clown? T'es cannibale à soin ou... Je sais pas comment sont les Mexicains, donc je dis ça, je dis rien. Attention les gars, Batman vient d'éliminer un autre membre de l'équipe. Il nettoie de fond en comble. Un autre membre? C'est le premier de la salle que j'élimine. Attends, qui pourrait éliminer? Si par miracle tu arrives à sortir d'ici vivant, Batman, je t'ai préparé quelque chose de très spécial, mon cher. Je vais y prendre les souvenirs quand je sortirai d'ici. Vous avez un problème d'équilibre, les gars, parce que Batman vient de faire tomber l'info.
Ah, attends, j'ai mis une petite idée. C'est une bombe de gaz. Ah oui, c'est une bombe de gaz. Nos effectifs, ça me nuise. Je dois me préparer à souffrir. Voilà. Y'a pas un qui est tout seul dans le coin? Non. Qu'est-ce que tu crois qu'on doit faire? Il est temps pour nous d'agir en guerrier. Il est là, quelque part. On doit fouiller tous les recoins. Attends. Tu es à trois marches de la mort, Batman. Je vais tuer... Fais ça! Amorcer les mines de proximité quand je l'aurai tué. Je garde quoi? Mais regardez-moi ça! Un autre gars de veille est au tapis. Je suis choqué! On fait pas vite. J'ai trouvé notre frère! Quelqu'un l'a frappé! Putain, j'ai plus de gargouille. Merde, ah, j'avais zappé ça que j'allais plus avoir de gargouille. Avec l'entrée, Batman, tu dois encore gérer le plat de résistance. Pourquoi Bane le laisse nous s'emmerder avec ses blabla? Toi, tu viens de m'offrir quelque chose. Et ici, voilà. Merde. Haha, le patin. Je suis planqué. Je l'ai perdu. Quelqu'un d'autre l'a vu? Ouais, c'est ta mère qui t'a vu. Ce type est ma proie. Rien. Là. Vous avez un problème technique contre les gars, parce que Batman vient de faire tomber la tour. C'est pas cette fois, je te tiens. Non, attends, merde. Y'a ici, petit con! Bon, tant pis, si je me la prends dans la gueule. Ronden, 6-4, sur le site Royal, qui a repéré Batman. 6-4, il grimpe jusqu'à la suite pour rencontrer Sionis. Bien, ils descendront, on sera prêts pour eux. Allez, en position. Je pensais que la mine allait me péter à la gueule, mais pas du tout, en fait. Amérissage. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas trop grave. Allez, direction la suite. Donc le penthouse. Ah, en tout cas, cette phase d'infiltration, c'était pas trop mal, on va dire. Gentil à toi de passer. Et pile à l'heure. Je m'en charge, Payasso. Ah ah ah, n'oublie pas, tu m'as donné ta parole. Tu as une minute. Ils n'ont donc aucune manière là d'où il vient. Tu vois? C'est une sorte de tradition chez moi. On ouvre chacun un cadeau le soir du réveillon de Noël. Pourquoi pas... celui-ci. Héros, héros,
mon petit patapon. Combien de filles est-ce que t'as volées? Aucune, je crois. Ce n'était qu'un petit cadeau de Noël, un site de construction qui me bouchait la vue. Mais pas celui-ci. C'est pris une boxe dans la gueule. La gueule, Joker. Ah bah, j'avais même pas pu le frapper. J'attends ce moment depuis si longtemps. Avec ta mort, je serai en paix. Oh putain, le bonbon que je redoutais le plus. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous. Le moment que je redoutais le plus. Le combat coup de bête. Bon, je vais pas parler, je vais plutôt essayer de me concentrer sur ça de compliqué. Viens, Bane. Putain, je t'enchaîne là. N'empêche qu'il a la classe, Bane. Hein. C'est dommage qu'il a pas de tube de venin et. Comme par hasard. Mais pourquoi j'ai ouvert ma grande gueule? Je me rappelle comment on peut faire. Avec les gros, c'était pareil. Je me rappelle dans l'épisode 7, je l'avais fait. Allez, on enchaîne. Il veut que je fasse sans pitié, Ben. Oh! Ouh, putain, il m'a pété le dos. Bon, il m'a pas fait le geste qu'il me fait d'habitude. Hein. Tiens, Bane. Tiens. Coup de pied dans le dos. Oh. Allez, on est en train de perdre du venin. Monsieur, l'analyse de votre tenue révèle de multiples blessures. Vous non. devriez vous pas retirer. Maintenant. Oh bordel. La ville va assister à la mort affreuse de son héros. Et je vais te mettre en pièce. Oh non, pas le taureau. Les gars, on peut passer. Il fait le taureau. Vois que tu as encore un peu de ressources. Non. Allez, vas-y, éradique-le. Allez. Retenez Bay jusqu'à son arrivée. Oh, les gants électriques. Oui, les gants électriques. Attrapez-le tout de suite. C'était la nuit précédant Noël, et dans toute la maison, les créatures étaient en dehors. Même... Allez. Putain, je l'enchaîne, Bane. Et le tour fut joué. Oh non. Je vais recommencer. On va m'emmerder. Oh putain, non. Défends-toi. Mais je fais quoi, moi, Bane? Accepte la défaite. Tu ne peux pas fuir. Oh, il était si fort que je l'ai ressenti. Tu me dis défends-toi. Non. Oh, putain, j'étais pas loin. Et toi, m'emmerde pas. Toi, m'emmerde pas non plus. T'enchaînes, Bane. Wouah putain. Mais je l'enchaîne, Bane, hein. Peut-être pas, tu vas pas me briser le dos. Ok. Tu veux te la jouer ainsi, Bane? Putain. J'allais dire, je veux pas qu'il vous pète le dos, mais là il est en train de me péter les couilles. Non, Batman. Regarde-moi, Batman. Non, je t'en regarde pas. On non. dirait que c'est terminé. Ce fut un plaisir. En fait, pas. J'ai encore les gants électriques. Oui, j'ai encore les gants électriques. Allez, grrrr. On va finir en barbecue. Non, m'emmerde pas trop. Wouh.
Allez, tiens, Bay. Je suis en train de lui péter. Oh, ok, elle tape à côté. Ah putain, les sbires me font chier là. Ok, il a tenté de me frapper, Bay, mais il a raté. T'es vraiment un noob. Non, 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 pardon. Je voulais pas dire que t'étais un noob. Pardon, excuse-moi. Mais non, fais pas le coup du taureau. J'ai dit que j'étais désolé. Bon, on va se pardonner, on va manger un tacos. Un tacos ou un burritos. Tous les Mexicains, vous aimez les burritos. Ah. Bon, bah en fait, non. Je crois qu'il n'aime pas les burritos. C'est vraiment dommage. Le délai est dépassé. Voilà ce que j'appelle une fête. Ce toit commence à être trop chaud. Tu t'en es bien tiré. Où est-ce que tu comptes aller exactement, hein? Bazooka. Non mais c'est même pas. C'est même pas de me taper toi. Petit con. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? J'ai un scoop. C'est moi, celui qui essaie de t'étriper. C'était de très vilains. Vilains garçons, ils ont fait des horreurs. Mieux vaut ne rien savoir. Ils méritaient la mort. Tout comme moi. Bouge pas, taré. Je crois que c'est à toi qu'il parle. J'ai la remarque. Butez-le! Allez! C'est pas vrai. Il s'est enfui. Emmenez-le à Blackgate. Il est où? Hein? Qui? Batman, ton partenaire. Mon partenaire? Qui d'autre sauterait d'un bâtiment pour te sauver la mise? Vous voyez, officier, je me demandais exactement la même chose. Ah, je pense que c'est à partir de là qu'il va avoir une obsession pour Batman. Prison de Blackgate. Vous voulez dire? Ce n'est pas à vous que je vais apprendre
que la mémoire peut parfois être extrêmement cruelle. Les coups de tonnerre aigus et mordants, les troubles faits impromptus qui hurlent dans toutes vos synapses, sans prévenir toute la journée. C'est un peu plus douloureux. Et impossible de se réfugier dans la folie. C'est alors que vous rencontrez quelqu'un qui change votre vie. Et vous savez vraiment qui vous êtes. Étrange, comme une rencontre peut détruire les dernières bribes de votre passé, déformer vos souvenirs, l'image que vous avez de vous, jusqu'à reconstruire toute votre identité. Et votre rire résonne. Je vais avoir besoin de précision. Si on essayait d'associer des mots... Ça me paraît... séduisant. D'accord. Encore un. Et vous devez être sérieux cette fois. Destin. Vous voulez en savoir une bonne? Avant, je pensais que le destin... c'était négatif, prédéterminé, non par une force supérieure, mais par les règles de la nature humaine. Mais ce soir, les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Avez-vous déjà eu le sentiment étrange que votre vie tout entière était faite pour vous amener à un moment précis? Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Maintenant, oui. Je réalise que tous les combats, les mauvais jours, les brutalités, tout ça, c'était l'œuvre du destin. Alors, vous voyez le destin différemment? Tout à fait. Maintenant, je comprends. Il n'y a pas de rencontre. Tout devait être ainsi. Tout m'a mené jusqu'à ma rencontre de ce soir. Ah, vous savez rencontrer quelqu'un de spécial? Et on peut dire que cette rencontre a tout changé. Tout changé? Absolument. Enfin, vous êtes consciente que nous vivons dans un univers terrible, qu'il est très difficile d'avancer dans la saleté et la misère quand on est seul? On est toujours un peu seul, pas vrai? C'est ça. C'est ça. Vous comprenez? Même dans une foule de tendue, on se sent si seul. Qu'on veut frapper, griffer, crier, hurler de toutes ses forces. Et tout le monde s'en fiche. C'est comme si on n'existait pas. Je me sens. Parfois, j'ai l'impression d'être pris au piège sur un chemin qui ne mène à rien d'autre qu'au néant. Mais non. Maintenant, vous avez l'impression d'avoir quelqu'un à vos côtés pour partager ce voyage avec vous. Oui. Et cette personne m'a montré comment sortir de cette route qui mène droit à la folie. Une issue vers moi, beaucoup plus intéressant. Alors, en tout cas, attention, je parle pas, je vous laisse encore regarder. Je vous dirai après ce que j'en pense. J'ai l'impression d'être à la dérive, de flotter, comme si quelqu'un avait fait éclater ma réalité et que j'étais aspiré dans quelque chose de nouveau. C'est une sensation très excitante. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait, je pense. En fait, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que cette personne vous fait ressentir? C'est comme de rencontrer quelqu'un qui peut me comprendre. Ce que, croyez-moi, je n'avais jamais ressenti avant. Vous comprenez? Vous n'avez pas peur de vous laisser aller et de tomber? En chute libre! Et je n'ai pas de parachute. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui, je vois. J'en étais sûr et certain.
Vous pouvez me dire qui est cette personne? Non, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment spécial. Une personne dont je ne connais pas encore le véritable nom. Je m'appelle Arlene. Oh. Arlene Quinzel. C'est un très joli nom. Est-ce que vos amis vous appellent Harley? Oh, je n'ai pas beaucoup d'amis. Bien, Harley. Vous en avez un maintenant. J'avais complètement zappé qu'on voyait Arlene Quinzel là-dedans. Ah, d'accord. Ça. Je pense qu'on va revivre celui de Batman. J'ai un scoop. C'est moi celui qui essaie de t'étriper. Et je pense qu'après ça, on s'arrêtera là. C'est totalement inutile. Je ne sais pas à combien de temps durera cette vidéo. Je vais regarder après. Un criminel. Le moment est sans doute mal choisi, mais j'espérais que vous seriez d'accord pour fêter le réveillon de Noël, maintenant que le Joker est en prison. Ben est en liberté. Je dois localiser le signal grâce au mouchard que j'ai mis sur lui. Il faut bien que vous mangiez, monsieur. Si vous n'aviez pas appelé la police, il aurait déjà été arrêté. Vous savez, vous n'êtes pas le seul à avoir fait une promesse à vos parents. Aucune victime en vue. Plus tard, Alfred. Qu'est-ce qui s'est passé dans le quartier? Tout a été évacué. On a trouvé des bombes dans les fondations. Du même genre que celle du Royal. C'était une espèce de cinglé. Il devait peser dans les 200 kilos. Il a quand même fallu 6 flics pour le mater. Ouais, j'ai vu son corps à la morgue. Il peut s'agir de Bane ou d'un de ses hommes. Si je file à la morgue, je pourrai examiner le corps et le rapport d'autopsie. Bien. Avant que vous partiez, j'ai testé le composé que vous avez trouvé à la scierie. Ça semble correspondre à votre projectile globulaire pour entrave non létale. Vous voulez dire ma grenade collante? C'est ça. La résine doit être prête. Elle est sur votre établi. Bien sûr, je vous recommande de la tester dans notre labo avant d'y aller. Mais je parie que vous ne m'écouterez pas, comme d'habitude. En effet, et d'ailleurs je ne vais pas vous écouter puisque je ne vais pas le chercher, puisque je vais m'arrêter là, attends je regarde... Oh putain, on est à 1h11. Oh mon dieu, j'avais même pas fait attention. J'étais tellement à fond dans toute la partie sur l'Hôtel Royal. Mais en tout cas, voilà, on aura déjà bien avancé ici. On aura fait une heure de gameplay. Donc là, vous pourrez pas me dire certains qui disent que 45, 50 minutes de gameplay, c'est pas assez. Mais bon, voilà. On va s'arrêter ici. Je pense qu'on aura... De toute façon, on reprendra à l'épisode 8. Qui sortira soit mercredi, soit vendredi ou samedi prochain, je sais pas, on verra. En tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir. Et également, vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas. On s'approche tout doucement des 100 abonnés et ça me fait extrêmement plaisir. Ou peut-être que je le serai directement, je sais pas. Et on se retrouvera demain pour la critique geek de The Dark Knight Rises. Eh oui. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, big smile à tous, profitez de la vie, elle est importante et ne la gâchez surtout pas. Allez, à plus tout le monde, salut !